Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Hey, salut tout le monde, c'est Oki. Aujourd'hui, j'ai essayé de vous faire une petite vidéo tutoriel sur comment faire un pépin facilement en solo. Là, je viens d'aller me faire éclater et du coup, je vois que la partie elle est déjà démarrée. Donc, j'ai pas pu remercier le chauffeur. Bon, première étape, il faut atterrir en périphérie. Pour essayer de croiser le moins de monde possible. Deuxième étape, trouver une arme illico presto si jamais on fait une mauvaise rencontre. Donc, périphérie, c'est aussi éviter les grosses villes, style ça, 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 ça. Donc, plutôt les bâtiments isolés. Là, par exemple, en tout, c'est parfait. Alors, là, je viens de spawn à la fin du bus, donc c'est pas impossible qu'il y ait des gens. Oh bah oui, il y a un mec qui est ici. Trouver une arme, on avait dit. Ok, bon. Alors, en périphérie, 80% du temps, on sera pas dans la zone. Là, coup de peau, on y est. Ne pas être dans la zone, faut pas être gêné avec ça. Faut pas être gêné par le fait d'avoir la zone au cul. Faut pas être gêné par ça. Parce qu'au contraire, ça vous permet d'avoir une certaine assurance qu'il n'y ait personne derrière vous. C'est rare que quelqu'un soit dans le gaz derrière vous. Ça peut arriver, mais c'est rare. Et ça va de soi qu'il faut quand même anticiper un minimum et donc se trouver un véhicule ou démarrer à pied, mais pas au dernier moment non plus pour pas être non plus trop mis à mal par la zone. Mais voilà, faut apprendre à avoir la zone derrière soi, comme ça ça permet d'avoir une assurance de potentiellement pas avoir d'ennemis derrière soi et donc de pas avoir à checker de tous les côtés et donc de se concentrer juste devant soi. Et bien évidemment, encore une fois, il faut anticiper quand même un minimum pour pas se faire coincer par la zone non plus. Donc ça c'est la deuxième chose importante. Après si on est dans la zone, bah tant mieux. Tant mieux. Donc l'étape est la même que si on était pas dans la zone et qu'on devait avancer et qu'on arrive en plein zone, c'est se looter convenablement et avoir des armes pour tout type de combat. Lointain, moyen ou rapproché, donc longue, moyenne ou courte portée, et les classer tel quel dans l'inventaire pour avoir un ordre logique de baston. Là hop, je tire sur l'ennemi, paf il se rapproche, je switch, paf on est au corps à corps, clac 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 clac, il manque plus qu'un fusil à pompe, on est bon. Donc avoir 4 armes max dans son inventaire, donc je remplacerai un des fusils d'assaut, et bien évidemment des soins, c'est l'idéal. En priorité de la vie, parce que c'est ce qui partira en premier quand si jamais vous êtes pressé par la zone. Donc, par exemple, on fait pas de vie, on peut aller buter des trous. Et prendre ce qu'elles ont à nous proposer. On est en mode construction que je découvre depuis peu parce que je préférais les zéro construction. Moi j'ai un warzone où j'avais pas envie de prendre la tête avec la construction et donc c'est pour ça qu'on ne verra pas beaucoup faire de construction, voire pas du tout.
Donc on va refaire la tactique que je faisais au début, c'est de se mettre quand même bord zone. Pour essayer de croiser le moins de monde possible. Essayer d'arriver dans les dernières zones. En essayant toujours d'anticiper un peu le déplacement des zones. Pour avoir une bonne position. Pour moi la meilleure position c'est toujours avoir la hauteur. Et c'est plus simple de gagner un fight en étant en haut qu'en bas. Et puis surtout de checker constamment s'il n'y a pas des ennemis. Donc là je me place un peu bord zone. Et puis voilà, comme ça au moins en étant bord zone, je sais que personne n'arrivera derrière moi. Ah, il est magnifique ce shot, il est magnifique. Il tirait sur quelqu'un. Hein. Il m'a fait peur le con. Oh zut. Toujours regarder derrière soi. Toujours. Ok, donc la zone, bah voilà. Donc là, on va se mettre en bord zone. On va essayer de se mettre dans ce coin-là pour éviter la ville. Mettre en bord zone et avoir personne derrière soi. Alors là, il y a un truc de prime. Faut absolument le prendre. Ça nous servira de drone, on sait à peu près où quelqu'un est placé. C'est super important. Surtout en fin de game, là du coup on est... Il y a plus que 7 ennemis, 8 avec moi. On est clairement en top 10 et on peut se douter qu'il était dans la ville. Là ça va se serrer. Il m'a fait bugger. Ça va se serrer, les gens vont jouer pour la win. Faire défoncer par des poules. Et donc tant que si possible les animaux faut les défoncer avec l'outil de collecte hein, parce que sinon on fait du bruit, on est repéré. Donc là je vais même traverser à la nage. Oh y'a un... Je peux pas aller là parce que j'ai encore besoin de me battre. Je dois retirer, faire du bruit pour être directement aller sur cette île. On est un peu à découvert, donc il faut se trouver un endroit où on serait plutôt à découvert. Donc là, si on pouvait avoir un lanceur, ce serait bien. Parce que... on pourrait péter les constructions des uns et des autres. Oh. Il y a un mec là. T'as un bot là-bas. Je vais pas le voir, je suis deg. Qu'est-ce qu'il fait? On peut aussi essayer de se placer là. Hein. Oh! J'allais dire pour couper la route aux gens là. Mais là j'ai été vu par un gars. Là je fais beaucoup de bruit. On va quand même regarder si on n'a pas été repéré. Ok, donc ça c'était la prime en plus. Ok, donc là on a un véhicule. Véhicule pour les fins de zone c'est pas mal hein. Pourquoi il veut pas? Ça permet de bouger plus rapidement, ça nous sert de...
beaucoup d'obstacles. Ok, plus que deux ennemis. Faut que j'en ai repéré un. Et le deuxième est juste derrière. Ou c'était son bot? Toujours se servir des trucs comme obstacle. Là, je pense plus que j'ai besoin de voiture. Alors, le bot, je vais pas m'en occuper. Putain, c'est pas possible, je me tourne. Ok, donc on va essayer de se mettre en troisième partie, c'est-à-dire laisser se fight et surgir de nulle part pour prendre la win. Comme cela. Je dirais même que j'ai fait une erreur, c'est que j'aurais pas dû prendre ces shots au snipe si j'en étais pas sûr. Si on n'est pas sûr, il faut pas prendre les shots au snipe parce qu'on fait du bruit.